Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo un petit peu avant la prochaine snapshot. Et comme vous pouvez le voir, une nouvelle partie en cours. Car malheureusement, j'ai pris un petit peu trop de confiance en moi dans ma dernière partie. Et je me suis fait buter par un squelette. Tout simplement un squelette. Alors que j'avais des loups, que j'avais un bouclier. Enfin bref. Allez, passons là-dessus. J'ai redémarré une nouvelle partie, trouvé deux villages, dont celui-ci est le plus développé, on va dire. L'autre est juste derrière là-bas, on aura peut-être le temps d'y retourner. Bon, c'est même pas sûr, ça dépend. Et surtout, en fait, je voulais vous montrer une fonctionnalité qui est apparue dans la snapshot 24W12A, donc du 20 mars dernier, donc elle a déjà un peu plus d'une dizaine de jours. Et elle concerne les échanges qu'on peut faire avec nos amis, ici, les cartographes. Voilà, avec le cartographe, pour, alors ici, 12 émeraudes et une boussole, je peux obtenir une carte des chambres des épreuves. Voilà, donc là, le but du jeu, c'est de procéder à cet échange, et de voir ce que ça nous donne. Hop, oui, hein, vous voyez, je suis plutôt bien. Ça se développe plutôt pas mal par ici. Non, les chats, s'il vous plaît. Voilà. J'ai du diamant. Une petite enclume. Donc potentiellement, on est plutôt bien. Hop là. Alors, pourquoi on est bien? Bah, tout simplement parce que ici... Voilà, vous avez pu le voir. Je suis tombé sur un mineshaft. Alors à la base, hein, c'était complètement ouvert ici, mais j'ai tout refermé de manière à pas avoir d'invasion de zombies. Et pour pouvoir être tranquille. Alors, on va regarder. Ok. Oh, j'adore. Alors, si je vais par là... Donc ça me montre précisément où elle va se trouver. Par contre, j'ai aucune information sur la profondeur à laquelle je vais la trouver. Mais première chose qu'on va faire avec le loup. Ah oui, je vous ai pas parlé de ce loup-là. Et regardez. Viens là, viens là. Hop là. Un loup des neiges. Oui, parce qu'en fait, j'ai spawné, mais vraiment dans une zone pas du tout agréable. Je sais plus si on la voit d'ici. Bon, j'ai vraiment fait des kilomètres et des kilomètres depuis. Enfin, des blocs. Je crois que c'était derrière cette zone-là. Voilà. J'ai pu... Oh, encore un chat. J'ai pu donc... hop là. Récupérer ce loup. Et seulement lui, je n'ai pas trouvé de deuxième. Et pour l'instant, j'ai été faire un petit aller-retour. C'était par là-bas, on y retournera. Dans une zone par là-bas. Ah là là, ça nous emmène ici. Et si je fais ça et que voilà, on la voit mieux. Ouais, elle est dans l'eau, quoi. Bon. Eh ben, on va envisager ça. C'est plutôt pas mal, mais il va falloir trouver une solution pour venir ici et trouver cette chambre d'essai. J'adore cette petite carte. J'espère que je vais pouvoir aller l'accrocher quelque part. Alors, là on voit donc le village. Et je voulais vous montrer rapidement, si vous voyez peut-être derrière là-bas, tout au fond. Voilà, c'est le deuxième village. Plus classique. Et dans lequel je développe la partie élevage. Voilà. Ici, j'ai une production assez importante. De blé, de canne à sucre,
de bambou. Et là-bas au fond, j'ai l'élevage avec de quoi me faire de la nourriture. Donc là maintenant, qu'est-ce qui me manque? Eh ben pas grand-chose parce que j'ai un portail qui est en cours de finition là-bas. Vous voyez que j'ai pu m'équiper entièrement en diamant avec les échanges réalisés ici avec ça manque de lumière quand même. Hop. Les échanges effectués avec les villageois. Donc plutôt pas mal. Aïe. Un village qui se développe bien. Et puis bah suite à la trop grosse prise de confiance de la dernière fois, j'ai cette fois-ci décidé de la jouer tout doucement. Vous voyez, 47e jour, niveau 48, ça avance tout doucement. Même si on a de l'équipement, même si potentiellement bah, il me reste... Alors je voulais descendre avec un deuxième chien, maintenant j'ai fait cet élément-là, la chambre des épreuves. Bon, je me pose des questions sur ce que je vais en faire. Ça va pas être une descente immédiate. Bah, donc si, je devrais pouvoir faire voilà, un cadre. Est-ce que je peux le mettre là? Oui. Est-ce que je peux mettre ma carte dessus? Oui. Voilà. On va garder ça comme ça. Et... Et s'arrêter là pour cette toute petite vidéo. Donc voilà, hein, c'était un préparatif pour aller trouver cette chambre d'essai. Mais bah, je me demandais comment est-ce que j'allais pouvoir le faire. Bah, maintenant, on a la réponse. On peut échanger avec nos cartographes. Et dans le cadre de ces échanges, on arrive à récupérer une carte spécifique où on va les trouver. Alors ce qui serait intéressant, ce serait de chercher... Parce que j'ai un deuxième cartographe dans l'autre village. Allez, on va se faire ça. On se passe une petite nuit ici. Hop. Et puis on va aller voir le deuxième cartographe. Pour voir si lui aussi il me propose une carte. Et si surtout si c'est la même en fait. Alors, hop, on fait le plein. Alors ici, bah, il est encore plus généreux ici. Allez, on commence nos échanges. Voilà. On a ce qu'il faut pour faire cet échange. Et... Eh bien, ce n'est pas la même carte. Oh, c'est génial. Donc ça serait une deuxième chambre, un petit peu plus loin. Voilà. Eh bien, écoutez... On a donc juste la confirmation. C'est génial. Donc ça sera par ici que je pourrai découvrir cette deuxième chambre. Et celle-là serait peut-être pas sous l'eau. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour la suite de ces aventures. Je vais y aller en faisant attention. Mais je vais quand même descendre dans cette chambre d'essai pour aller tester les nouveautés
que l'on a pu obtenir grâce à la dernière snapshot. Donc à très très bientôt. Salut!